Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Grande Épopée sur Football Manager 2013 et donc une victoire 2-0 contre Peterborough. C'est bien, ce qui nous donne qu'au classement nous sommes 9e. Yeah! 9e, donc à 5 points du premier barrage. On va voir ce qu'on réussit à faire. Et prochain match donc de Coupe d'Angleterre, un troisième tour contre Leyton Orient. Et ensuite, je pense que je réavancerai un petit peu les matchs. Je ne sais pas trop. Je verrai un petit peu ce que je vais faire. Je vais choisir les matchs que je fais. La presse en sens Bully, c'est bien. Tant mieux pour lui, encore une fois. Encore un petit coup. Et donc, le match se jouera en janvier. Donc, vous allez avoir l'honneur de voir un petit peu. Ah voilà, vous voyez, c'est un petit peu tous les joueurs que j'avais pu contacter. D'ailleurs, ça me donne envie de retenter ma chance. Pour certains, Farfan, c'est énorme. Bon, Farfan, j'avoue que j'avais un petit peu osé quand même, mais voilà, vous voyez, ils ont quand même des stats bah, pas dégueu, hein, pas dégueu du tout. Donc c'est pour ça, je regarde un petit peu, je le fais avec vous. Vite fait, quoi. Ah bah, il y en a un qui veut bien signer. Ah oui, non mais attendez, c'est quoi le délire? C'était lui? Bon, non, c'est pas grave. Et il est actuellement sur la liste des transferts, oui, je sais, mais moi c'est un contrat que je veux lui faire. Ah, je peux pas, d'accord. Ok. Djemal de Monaco, tiens. Mec de Monaco. Michael Chrétien, je l'ai fait. Lui, il faut lui faire une offre. Toscano. Van Pepen. Van Pepen, il fait bien un feu de tir. Est-ce qu'il est fort? Arde Van Pepen. Et oui, lui, mais lui, j'aimerais bien l'avoir, par exemple. Voilà, ça, c'est un mec que j'aimerais bien avoir. Donc on va essayer de le faire venir. Hop là, vous avez le droit à une petite session transfert. Alors, 5250, je peux t'offrir peut-être un petit peu plus, 6000 je peux t'offrir. C'est bon, t'es chaud? Eh bah c'est vendu, allez mon pote. Bon, il y aura alors un an de contrat, mais c'est très bien, ça me permet de... Ouais, de pas avoir, on peut essayer 2019 arrière. Non, il veut 2018. On va pas titiller. Finaliser l'accord. Hop là. Voilà. Et bah ça c'est un bon gars. Alors les fins de contrat de Chester. Vous savez quoi? Je vais me mettre en off et les gérer. Et puis je vous reprends juste derrière. Allez, à tout de suite. Alors donc j'ai eu beaucoup de facilité à renouveler les joueurs qui étaient moyens. Donc j'ai pas renouvelé pas mal de joueurs. Hein. Tous ceux-là je les ai pas renouvelés. J'ai renouvelé les joueurs à peu près par là. Bretcho et Sarkevic, je les ai pas renouvelés, demandez trop. Et en revanche, les gros joueurs, par exemple Orlandi, c'est des joueurs que les 4 joueurs qui sont là, je n'ai pas réussi à les renouveler pour l'instant. Ça se finit en 6 mois. C'est mes meilleurs joueurs et je n'ai pas réussi donc à les renouveler parce que ils ont des prétentions salariales bien trop élevées, hein, 15 000 euros par semaine par exemple, pour certains d'entre eux, genre Orlandi. C'est pas possible tout simplement donc. Donc on va voir comment ça se passe, mais ça sent un petit peu mauvais quand même l'histoire. Parce que si c'est le cas, il va falloir que je me trouve pas mal de nouveaux joueurs. Et ça m'embête très fortement à vrai dire. Alors j'ai renouvelé les contrats pour un an, j'ai pas fait plus, hein, comme ça voilà, je reste assez flexible. Le pire, c'est pas grave, j'essaierai de me monter une autre équipe. Déjà, j'ai pris plus de, j'ai quand même pris un peu de notoriété cette saison. Je suis quand même 9e de Championship, c'est pas mal. David signe un contrat. Nanana. Voilà, ah bah ça peut m'intéresser. Je peux pas être viré de toute façon, donc je m'en moque. Voilà. Ça va peut-être me permettre de renouveler certains contrats que j'ai pas pu renouveler avant. Donc attendez, je vais aller voir surtout Bully par exemple. Voilà, vous voyez que. Oui, ça va me permettre d'en renouveler certains. Par exemple, Bully, je pense que je vais pouvoir. En revanche, son salaire. Alors, c'est nombre de sélections, c'est nombre de sélections internationales, je pense. Quoique, j'en sais rien en fait. Ouais, c'est bon, il veut bien, parfait. Bully, c'est bien. Et Orlandi, surtout. Ah, bah d'accord. Il veut pas reprendre les négociations tout de suite. De Roar, ça me ferait plaisir. Il veut pas tout de suite reprendre. Euphorie, non plus. Ok, bon, bah, on verra bien. Les autres en bas, ils sont pas assez bons pour que j'essaye de les renouveler, genre Red Show et tout, c'est pas très important. Bon, au moins Bully c'est bon parce que voilà, je vise la promotion, c'est pas grave, je ne peux pas me faire virer hein, si j'avais débloqué le truc justement qui fait ça, donc je peux me permettre de rater l'objectif. De toute façon ils vont, de toute façon ils me vireraient pas même si je le ratais et que je pouvais me faire virer, j'ai accompli trop de choses pour le club.
Messi est encore ballon d'or. C'est bien. Tant mieux pour lui. Pas mal de gens malades dans mon équipe en ce moment. Sérieux, ce mec, il joue à... Excuse-moi, il joue à Sedan en vrai? Je savais pas du tout. En tout cas, moi, je l'aime bien, ce mec. Il y a quand même 7,56 de moyenne, hein. C'est un bon joueur de championship, quoi. Il y a rien d'autre à dire. C'est un bon joueur de championship. Donc dans 3 jours, on affronte Leighton Orient. Alors on sait pas, peut-être que ça va bien se passer, peut-être que ça va pas bien se passer. Je crois qu'ils sont une division inférieure. Pas de sang prêt. Club de Chester sera intéressé. Oui, s'il est disponible en prêt, effectivement, ça peut m'intéresser. Sauf que je peux pas payer les 50% du salaire qui sont demandés. Donc, bon, je vais quand même demander, mais voilà, à mon avis, on va voir. C'est aussi ça mon problème, hein, si je peux pas payer les salaires des joueurs que je veux. Alors, il va y avoir beaucoup de joueurs qui vont partir à la fin de la saison, donc ça va me permettre de récupérer pas mal de masse salariale. Leighton Orient, ils sont en quelle division? En Championship, ah, ils sont dans la même division que moi. Ils sont classés combien dernier? Ah bah ça devrait être possible de gagner alors. Baines veut rester, rejeter la demande, tu dégages toi. Si plus vite tu dégages, plus vite je suis content. Je suis sûr qu'en plus il touche un gros salaire ce mec là. C'est ça le pire. Ah non, 1000 euros par semaine, ça va. Mais bon, c'est 1000 euros de trop quoi. Ok, alors sélection équipe Chester. Poste non pourvu uniquement. Très bien, on y va. On va essayer de gagner un match de coupe parce que ça peut nous rapporter pas mal d'argent quand même. Donc je prends l'argent, vraiment. Avec plaisir. Et on est parti. Allez, let's go! Wise man, Smith. McDonald. Oh yeah, Smith. Purse house. Alors, le corner, attention Cox. Attention! Oh là 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 là, c'est pas possible, c'est assez les gars, non, non, non. Comme là, la possession, c'est pas bon ça, on va se mettre un petit passé dans les pieds. Bullshit. Allez, alors ça rame un petit peu. Désolé pour ça. De Roar, Fori, la frappe. Ah, la parade. Dommage. Vaughan, Orlandi, Vaughan. Attention, c'est récupéré. Lob joie. Je vais dire lob joie parce que c'est rigolo, lob joie. Attention. Ouf! La faute. Le Billy lob joie. Alors ça ne va pas du tout, du tout, du tout. C'est une catastrophe là. Harcelez vos adversaires et engagez-vous plus tout de suite là. Parce que là, ça va pas. Niveau possession. Ah, Fori blessé. Allez, Sarkevic. Belford. S-Bay. Attention à ça les gars. Allez, Doudji. Allez, il faut récupérer la balle, Cox. Voilà. Allez, du Badjo. Allez, battez-vous. Voilà, bats-toi. Voilà, c'est ça. Attention quand même. Malgré le fait qu'on se batte, ils réussissent à récupérer la balle. Voilà, Thiago Xavier, c'est bien. Tu dégages. Allez, avec un peu de chance. Appuie la coteau du gardien. Allez, la coteau. Toi-même, tu sais la coteau. Voilà, ça rentre pas du. Oh, mais non. Oh, mais non, on n'a pas le droit. Allez, bullshit qui dégage, c'est récupéré par eux. J'ai encore oublié de dire à bullshit de ne plus dégager. Donc je vais le faire juste après. Boli. Sarkivic. Thiago Xavier. Passaus. Thiago Xavier. Passaus. Odubadjo. Le petit centre. De Roar. La frappe est bon! Et par l'égalisation! Voilà! C'est ça qui est bon! Superbe! C'est ça qu'on veut!
J'ai un deuxième blessé. C'est bien. J'ai vu que c'était sur un tacle en plus, hein. Mi-temps. Allez, c'est parti pour la seconde. Gibo. Alors, si on pouvait éviter le match à rejouer, ce serait pas mal. Arlandi, Doroar. Je préfère perdre que d'avoir le match à rejouer. Gibo. Non, 60e minute. Je vais pas faire le dernier changement parce que j'en ai déjà fait deux. Je vais juste essayer de pousser un peu plus. Je vais mettre en contrôle et on va voir ce que ça donne. Et je vais mettre à emmener le ballon dans la surface parce que là ça va pas du tout au niveau des. Offensif. Comme je vous dis, je préfère perdre que de faire le match retour. Ouais, je vais essayer de te remplacer. Je suis même pas sûr que je puisse. Non, je peux pas. Mais tu restes. Créer le surnom, prendre plus de risques. Ouais, je fais. Oh là, ça pue les pongs. Non. Bullshit, allez. Ce serait pas mal là. À la 87e, ce serait top. Guibo. Allez, Thiago Xavier, Vaughan. Kursaouz, Sarkevic, qui lance. Oh, j'ai cru. L'action est pour eux, à mon avis. Oh là là, le trou de Boli. C'est complètement trouvé. Attention, et le but. Ok, 2-1 pour eux. Bon, bah écoutez, comme je vous disais, je préfère perdre et me concentrer sur le championnat plutôt que d'avoir un match en plus à faire. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pris le risque. Je pense pas. Voilà, je pense que j'ai eu raison de le faire. Très sincèrement, parce que voilà, ça valait pas la peine de prendre des risques, quoi. Voilà. Voilà, fini. Bon, un peu déçu quand même, mais bon. J'ai vu que Lewandowski était à Arsenal dans le jeu, là. Regardez, Lewandowski. Alors, moi, je voudrais bien un joueur comme ça dans mon équipe. Enfin, bref. Défaite de Chester, machin, machin. Alors. Je vais jouer avec vous Watford. Bon, en tout cas, je vous retrouve pour Watford et ensuite on verra. Allez, à tout de suite. Re et donc match nul contre Watford. Deux partout, on était mené 2-0. On revient à 2-2 à la 91e minute sur un but d'Andrade. J'ai trois blessés dans l'équipe. Orlandi s'est blessé pendant 4 mois, je crois. Donc c'est pas vraiment. Non, pardon, 1 mois, 4 semaines. Voilà, ça, bah, de toute façon, on a les blessures ici. Donc, on a Fury qui est blessé 4 mois. De Bishop, 11 jours. Lundi, 4 semaines. Griffith, Murphy, tout ça, on s'en moque. Et donc, prochain match contre Watford. Allez, on est parti. Hop. Le club de Salamanca veut Aït Malek en prêt. Ah oui, c'est un mec que je voulais. Ouais, il peut être pas mal. Je vais essayer quand même de faire une offre de prêt. Je regarde juste. Entièrement pris en charge. Je ne peux pas prendre entièrement en charge le salaire. C'est marrant. Mission impossible pour Chester. Et bah, c'est ce qu'on va voir. Tiens. Tiens donc. Allez, on y va. Alors vous voyez que les blessés ça fait mal. Il n'y a pas que ça qui fait mal d'ailleurs. Alors Redshaw à la place de David Andrade. À la place de. Est-ce que j'ai des défenseurs à remplacer? J'ai Guibo à remplacer, mais est-ce que j'ai quelqu'un? Ouais, j'ai Pierre Gianni. Thiago Xavier, un milieu défensif, est-ce que j'en ai un? Vous gagnez encore pire, donc c'est pas le bon plan. Est-ce que j'ai un milieu à mettre à droite? Non. Et ben on va rester comme ça là, hein. Ce sera déjà pas mal, je pense. Je peux pas tellement faire mieux là. Non, je peux pas faire mieux. Bon bah ça ira comme ça. Allez, on est parti. Alors, prions pour que ça se passe bien. Pourtant j'ai mis entraînement faible, mais bon. Allez, on est parti. Alors Watford, j'ai un petit peu peur quand même. Ils sont deuxième, hein, quand même, les cocos.
Alors, il domine pour l'instant. Donc, on va se mettre peut-être un petit passé dans les pieds et puis un petit harceler vos adversaires. Parce qu'on réussit que 62% de nos passes. Bon, écoutez, si ça se passe comme ça. Alors, attention quand même. Là, ça pue la coteau. Oh, la coteau. Tu la sens, la coteau. Tu la sens, la coteau. Fais gaffe, toi. Oups. Ouh là là. Oh là là. Mais pourquoi il reprend? Oh là là. Heureusement qu'ils sont aussi mauvais que nous. Pourquoi? Juste, je vais revenir sur quelque chose. Mais ça, je pense que c'est un pas un bug. Enfin, c'est un peu un bug. Un problème du moteur de match. Pourquoi là? Mince, je suis revenu beaucoup trop loin. Attendez. Pourquoi là? J'ai envie de comprendre en parle. Voilà, là maintenant, pourquoi il ne la prend pas? Pourquoi Rock ne va pas dessus? Je ne sais pas. Mais bon. En tout cas, on a amélioré nos pourcentages de passes réussies. À la mi-temps, je vais changer au du Badjo, si je peux. Pas sûr. Enfin, juste après la mi-temps. Tac, voilà. Techniquement, je peux pas, non. Si, je vais mettre Andrade et faire rentrer Florent David ici. Et puis, pour l'instant, c'est tout. Ce sera à peu près tout ce que je vais pouvoir faire. J'ai beaucoup de défenseurs en remplaçant, mais pas assez d'attaquants. De 45 minutes 0-0. Bon, bah, pour l'instant, je me plains pas trop. Ça nous fait tomber à la 12e place, mais bon, je peux pas trop non plus me dire voilà, Watford, ils sont quand même gros. Allez, Perce ça vaut superbe. Thiago Xavier. Allez, la faute de Haaland, carton rouge là. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on va voir. Je vais me mettre en normal du coup. Et si sur le coup franc on pouvait marquer, ce serait royal. J'en demande peut-être un petit peu trop. On va voir. Oui, j'en demandais un peu trop. De toute façon, en général, le carton rouge est l'action, il n'y a pas de but derrière. Alors, je l'ai aussi mis en normal, ça va peut-être me coûter cher. Mais bon, après tout, ils sont pris en rouge, donc il faut qu'on tente notre chance. Voilà, super Brock, Šarkević. Allez, Andrade. Allez, t'y vas, mon Andrade. Tu fais pas de bêtises. Voilà. Thiago Xavier. Oh là là, c'est récupéré. Oh là, il faut attaquer plus, les gars. Oh non, 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 Boli. Boli, je le fais signer. Et regardez ce qu'il me fait. Regardez ce qu'il me fait, Basile Boli. C'est pas possible, ça. Mais non, c'est pas possible. Il était encensé, c'est ça? Regardez comment on peut être encensé quand on fait ça. C'est une honte. Et en plus, il y a Maxence Rock qui se prendre un coup. Je vais mettre Tom Anderson dans le milieu défensif. Je ne sais pas si ça passera. Je vais faire entrer De Roar, tant pis. Parce que là, c'est une cadence. Bon, bah écoutez, offensif, hein. De toute façon, on n'a plus grand-chose à espérer. Surnombre, prenez plus de risques. Allez, allez, ce serait énorme d'égaliser maintenant. Pierre Gianni, David, Anderson, Purcell, c'est beau ça. Allez, 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 oui, Thiago Xavier, allez, c'est bon ça. Superbe, yes. Pan, pan, pan. C'est ça qu'on aime. Bon, j'en demande peut-être beaucoup, mais ce serait tellement beau d'en mettre un juste avant la fin. Face à hausse. Oh, j'ai cru qu'il allait lober le gardien, ça aurait été tellement magnifique. En tout cas, Purcell qui a fait un très gros match. Franchement, parce qu'on l'a beaucoup vu, hein. J'ai fait un seul tir cadré, bah c'est pas grave. Ça s'appelle un vol en bonne et due forme. Mais bon, ils avaient qu'à pas se prendre un carton rouge après tout. Et voilà la victoire. Donc on est 13e, mais on reste à 5 points du premier barrage. Donc ça va, c'est honnête. On peut encore, pourquoi pas, créer une surprise, je ne sais pas.
Même pas en fait, 4 points, j'ai rien dit. Il y a 4 points, donc c'est très très serré comme championnat. Vous voyez que je suis assez loin quand même du 15e, mais c'est très très serré devant pour la place, la fameuse place. Très bien. Crystal Palace 18e, je vais les jouer en off et on va se retrouver contre Blackburn parce que c'est un rival et ce sera le dernier match de l'épisode. Allez, on se retrouve à tout de suite. Bra est une victoire 1-0 alors qu'on était réduit à 9-1, ils nous ont blessé deux joueurs en toute fin de match. On gagne 1-0 sur un but d'Adedouji à la 33e et on nous sommes donc à 49 points, c'est-à-dire à 2 points d'Aston Villa qui est donc la première place avant barrage, mais Aston Villa a deux matchs en retard à jouer, donc du coup on va plutôt se baser sur Burnley. Donc il y a 3 points d'avance sur nous, et bah écoutez, c'est faisable, même s'il y a pas mal de clubs devant, on peut y croire, il reste encore beaucoup de matchs. Donc moi j'y crois perso, j'espère que vous aussi. Et donc prochain match et dernier de cet épisode contre Blackburn, ils sont juste devant nous. Donc c'est un match clé, clairement. C'est un match clé de ce championnat. Il ne faut pas le perdre. Si on veut espérer être en barrage, on doit gagner ce match par tous les moyens. Allez, on y croit. Et oui, il y a Doudji qui ravit les supporters de Chester. C'est très bien. Coquelin signe à Reading. Oh là. Rappel de promesse à House d'Emir, oui, d'accord. Il s'attend à quitter Chester, bah oui, je sais bien. Mais est-ce que quelqu'un veut. Moi je veux bien, mais est-ce que quelqu'un veut de toi? Transfert proposé au club. Je te propose, allez, même à 24 000 euros, on va voir. Peut-être des gens qui vont vouloir de lui, même si j'ai des doutes. Aucune offre pour House d'Emir. Bon bah écoutez, je vais le proposer à 0 euros. De toute façon, c'est un mec qui doit partir à la fin de la saison. Et je suis sûr qu'il me coûte très cher. Donc, 2 000 par semaine, c'est trop. Beaucoup trop déjà pour lui. On va essayer de le jarter. Monaco qui perd contre Bordeaux. Aucune offre pour Özdemir. Voilà, les demandes salariales du joueur vont trop loin. Castro est absent de l'entraînement. Bah, il va se prendre 2 semaines de salaire. Déjà, ça va lui faire du bien. Comme ça va me faire économiser quand même 4 200 euros, c'est pas mal. J'en ai rien à cirer que ça lui plaise ou pas, de toute façon, c'est pas mon problème. Joueur de Chester dans l'équipe type de la semaine. Et pourquoi il est inquiet? Ah oui, c'est ça. J'avais pas pensé au fait que les joueurs seraient inquiets parce qu'ils pensent qu'on doit absolument monter. Évidemment, j'avais pas pensé à ça. Ouais, ça faisait pas forcément malin de ma part. Bon, bah, la prochaine fois, je me mettrai pas à promotion comme. Genre si on va en première ligue, je ne mettrai pas victoire direct. Je resterai à des objectifs raisonnables. Voilà. Mais c'est vrai que là, pour pouvoir renouveler le contrat de Boli, j'avais besoin de ça. Donc je pense pas avoir mal fait techniquement. Allez, on joue dans 2 jours. Donc il y a eu des matchs. Donc attendez, je vais regarder un petit peu ça. D'accord, désormais, c'est 4 points qui nous séparent du premier barrage. Donc c'est un peu plus loin que prévu, mais on peut y croire. Allez. On peut revenir petit à petit si on fait une très bonne série, et il faut qu'on fasse une très bonne série, il n'y a pas trop trop le choix. Ah, gaga, l'erreur. Hop, passement pourvu uniquement. Ils sont tous en forme. Allez, on est parti. Alors, Blackburn, donc. J'espère vraiment les battre. Thiago Xavier, deux Bishop. Allez, deux rois, ce serait énorme tout de suite. Ah, fais ta passe. Oui, vas-y. Oui, 20 secondes de jeu. C'est bon ça. C'est bon ça. 20 secondes de jeu et déjà un but. Super. On ne pouvait pas espérer mieux comme entame de match. Magnifique. Je suis aux anges. Alors attention à pas faire de bêtises. Oula, genre ça. Genre ça, c'est quoi? Hors-jeu, non? Oh, heureusement, le mec, il est mauvais. Hein, parce que sinon. Alors niveau de possession de balle, c'est pas génial. Je vais mettre un petit passé dans les pieds quand même. Attention, tout le monde.
peut-être me passer en défensif, hein, parce que. Oui, je vais me passer en défensif parce que. Et en conserver le ballon. Parce que là, j'ai un petit peu peur quand même. Ils vont essayer, forcément essayer de presser. Ils peuvent pas vraiment se permettre de perdre non plus s'ils veulent espérer remonter en première ligue. Hein, quand même, Blackburn, c'est quand même une grosse équipe d'Angleterre. Alors attendez, j'ai reçu un message. Hop. J'ai mis mon portable un peu plus loin. J'espère que vous n'avez pas eu d'onde, mais normalement, non. Odubadjo 73%, je vais peut-être penser à le remplacer. Est-ce que j'ai quelqu'un pour le remplacer? C'est ça la question. Oui, j'ai Andrade qui est à 100%. Là, qu'il arrive sur le match. Donc on est pour l'instant à 45 minutes. C'est la mi-temps. C'est très bien. C'est très très bien. Il faut qu'on tienne. Quitte à ce qu'il se passe plus rien dans le match, j'en ai rien à cirer. C'est pas mon souci. Voilà, j'ai bien fait de me mettre en défensif. Tom Anderson. Et on va mettre du soutien défensif avec David Vaughan. Voilà, 79e. Bah écoutez, ça semble bien partir pour se terminer sur une victoire de Chester. Attention quand même à ça, ce serait idiot de se faire égaliser maintenant. Voilà, dégage. Bishop. Ah non, ça va se terminer. Et bah parfait! Voilà le but au bout de 20 secondes qui nous donne la victoire. Et bah écoutez, je n'ai rien à dire d'autre. Si ce n'est que c'était bien tout simplement. Donc je quitte et après on va voir le classement et ensuite je vous laisserai. Et bah écoutez, c'est parfait. Très bien, alors. Donc ça c'est bien, moi c'est le classement que je veux. Donc ça nous fait qu'on est à 2 points. Ouais. À 2 points sauf si Burn la gagne. Pour l'instant, on est à 2 points de du barrage de montée, donc c'est parfait. On est qu'à 5 points, on est qu'à 6 points de la première place quand même. C'est pas mal aussi. Alors ils ont des matchs en retard, donc j'ai pas vraiment, j'ai rien dit, j'ai pas parlé. Ah, c'est bien, c'est très très bien. Je suis vraiment content. C'est top, c'est top, c'est top, c'est top. Et bah écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à me donner des conseils. Je vous remercie à tous pour votre soutien et je vous dis à la prochaine. Allez, salut.